Alors la rentrée effectivement de Qobuz est marquée par plusieurs événements. Donc la mise à jour en fait de notre abonnement entrée de gamme qui passe à 9,99 par mois au lieu de 13 euros anciennement. Ce qui signifie donc qu'on s'aligne sur nos chers concurrents. Donc l'idée effectivement est de proposer pour le même prix des prestations supérieures en termes de spécificité de ce qui fait Qobuz, à savoir les livrets, les métadonnées exclusives autour des albums, les pochettes en haute définition, ce genre de choses. Deuxièmement, le lancement en fait de notre plateforme de e-commerce physique. Donc on se lance dans la fabrication et la conception d'objets dédiés en fait à la marque Qobuz. Donc le premier élément est un casque focal Spirit One Qobuz Edition, donc fait en partenariat avec la prestigieuse maison française Focal. Ce casque est en fait du tuning, on va dire esthétique, reprenant effectivement les codes couleurs de Qobuz, avec le bleu à l'intérieur du tissu du haut-parleur, le câble également, une sérigraphie Qobuz Edition, la boîte aussi qui a été colorisée en bleu Qobuz. Et ce casque est commercialisé au même prix, donc 199 euros, avec un bon d'achat de 15 euros à télécharger sur Qobuz. Donc voilà, on offre du Qobuz pour goûter à la qualité avec un casque de bonne facture. C'est le premier objet d'une série de produits à venir prochainement. Donc voilà, Qobuz diversifie ses activités et affirme sa marque. Le troisième élément, c'est l'intégration de notre application Qobuz à Sonos. Donc Sonos, c'est les enceintes connectées de la marque américaine bien connue. Donc le streaming de Qobuz est disponible dans l'interface de Sonos, à la fois dans le contrôleur desktop et en même temps dans l'application iPad et les smartphones Android également. Ce qui est intéressant avec Sonos, c'est qu'on a innové avec eux. On permet maintenant le streaming de FLAC directement avec à la fois le Connect, le Play 3, le Play 5, toute la famille de produits Sonos, ce que ne faisaient pas nos concurrents jusque-là. Également, on retrouve les spécificités de Qobuz avec les recommandations qui font la qualité éditoriale de Qobuz, donc par genre, les nouveautés, les meilleures ventes, les récompenses de la presse, la discothèque idéale. Tout ça est dans une interface tout à fait fluide. On déclenche la lecture quasiment instantanément. Effectivement, donc Sonos est la première étape de l'intégration de Qobuz dans des appareils connectés de marques tierces. Donc d'autres fabricants vont suivre, évidemment. On va ouvrir l'Angleterre et l'Allemagne. Donc les abonnements Qobuz seront disponibles dans ces pays-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'une seule partie du catalogue, à savoir les lamelles indépendantes, sont disponibles dans le monde entier aujourd'hui. Mais les majors sont à négocier pays par pays. Donc on va ouvrir dans un premier temps l'Angleterre et l'Allemagne.